Au terme de sa rencontre avec le leader ougandais, le président de la transition et son épouse se sont rendus à l'usine Fine Spinners spécialisée dans la fabrication de textiles afin de toucher du doigt les réalités dans cet univers qui intègre chaque étape de la chaîne d'approvisionnement garantissant traçabilité, durabilité et qualité depuis les champs de coton jusqu'aux vêtements finis. Nous voyons la parfaite maîtrise du processus de production. Depuis le coton brut, nous avons vu toutes les phases de fabrication pour arriver à un produit fini de bonne qualité et un rapport qualité-prix intéressant. L'Ouganda, perle de l'Afrique, reconnue depuis longtemps pour son coton de première qualité, souhaite, par le biais d'une coopération sud-sud agissante, apporter toute son expertise au Gabon. Une expérience unique qui suscite un intérêt particulier. C'est véritablement une expérience qui peut être inspirante pour nous, pour le Gabon, c'est le sens de l'orientation donnée par le président de la transition, chef de l'État, pour que les productions, toutes les matières premières soient transformées et que nous allions davantage pour diversifier notre production et nous ouvrir au marché extérieur. Dans un monde hautement compétitif, la création de richesses passe par la mise en œuvre des politiques de développement axées sur la transformation des ressources locales. Cette visite guidée de Fine Spinners au coup présidentiel et à l'ensemble de la délégation a permis à ces derniers d'envisager la possibilité que le Gabon se lance dans ce domaine pourvoyeur pour l'essor véritable du Gabon et sa restauration économique.